Salut et bienvenue sur la chaîne et c'est complet, gros cylindré, la deux classes Viguero ZX Cabriolet. Alors la Viguero ZX, vous la connaissez tous, on avait déjà fait l'essai complet. Là, pas grand chose à dire de plus sur cette voiture, c'est exactement la même voiture, sauf que c'est une version cabriolet. Alors évidemment, elle est aussi modifiable chez HSW, donc vous pouvez lui apporter la grosse amélioration de performance qui la transforme en véritable pur sang indomptable. Vous allez voir ça tout à l'heure sur le circuit. Ensuite, niveau custom, quelques petites différences quand même. On a des motifs qui sont différents, d'ailleurs ils sont assez sympas. On a les pare-chocs qui sont légèrement différents, le capot et les jantes qui sont fournies d'origine, qui sont inspirées de la Chevrolet Camaro évidemment. Alors je vais vous dire laquelle, puisque cette deux classes Viguero ZX Cabriolet est évidemment inspirée de la Chevrolet Camaro Cabriolet. Alors la version non cabriolet était plus inspirée de la Camaro ZL1. Là, on est plus sur une Camaro SS avec le pack One LE, le pack One Limited Edition que Chevrolet propose sur cette voiture. La Camaro de 2018, on va dire, puisque la version restylée qui est sortie récemment est moins. Rockstar s'est moins inspiré de celle-là. Rockstar s'est plus inspiré de la version de 2018. Sur les jantes, on est vraiment sur les jantes du pack One LE. Après, la carrosserie, ça reste la même que la Viguero ZX. Mais vous avez dans les customs des petits pare-chocs, des petites ailettes sur les pare-chocs, les séparateurs, tout ça, qui peuvent rappeler la voiture avec le pack One LE et évidemment la Camaro ZL1 aussi. Après, voilà, c'est kiff-kiff, hein. C'est vraiment les deux mêmes voitures. Il y a juste des petits détails qui changent. La voiture est beaucoup plus chère que la Viguero ZX de base. Alors vous allez me dire que c'est peut-être parce que c'est un cabriolet. Moi je trouve que ça ne justifie pas une augmentation de prix pareille. Même la conversion HSW est beaucoup plus chère. Donc sur cette voiture HSW, on n'a pas de Imanitech. On a quand même pas mal de petits bugs. Je sais qu'il y a un bug sur les mains de votre perso. Quand vous êtes à l'intérieur, vous avez les mains qui ne sont pas collées sur le volant. Vous avez la petite vitre à l'arrière qui est la petite custode derrière qui ne descend pas quand vous ouvrez la capote. La vitre reste levée, ça se voit très bien si vous appliquez les vitres teintées, surtout la limousine, c'est-à-dire teintée bien noire. Là, vous allez voir la petite vitre qui est buggée. Dans les customs niveau performance, on a les modes. En HSW, on n'a pas le turbo, on a les modes comme si c'était une voiture électrique, donc je pense que ça aussi c'est un bug. Sinon, rien de plus à dire sur cette voiture que ce que je vous ai déjà dit dans la vidéo de la Viguero ZX, hein, une voiture que je trouve vraiment superbe, qui est très bien inspirée de la Camaro et qui en plus, vous allez le voir sur le circuit, est un monstre de puissance. Attention à la version HSW, il faut vraiment bien la dompter. Donc on se retrouve sur le circuit pour parler de cette voiture, voir ce qu'elle vaut sur le circuit. Vous allez voir que c'est vraiment la même chose que la Viguero ZX de base. Et ensuite, on se retrouve à la fin pour les tableaux top 10, tableau top 10 HSW et tableau top 10 qui comprend toutes les voitures. Bonne vidéo. We'll be right back.
Le circuit d'essai avec la Vigero ZX Cabriolet en version HSW et c'est du sport. Si vous avez regardé la Vigero ZX, vous le savez, voilà, c'est un pur sang. Il faut vraiment, vraiment doser, vraiment la contrôler. Après, c'est marrant, ça peut être amusant parce qu'elle est tout le temps en dérive. Vous allez mettre du gaz, elle va tout le temps partir. Après, pour l'efficacité, c'est pas le top. On a une grosse accélération, mais on a une voiture voilà, qui va être tout le temps en dérive sur les sorties de courbe et sur les gros coups de gaz. Donc, une voiture plus amusante que performante. Les tableaux top 10, alors on commence avec la catégorie grosse cylindrée qui ne prend pas en compte l'amélioration HSW, c'est-à-dire la voiture custom à fond chez LS Custom, mais sans l'amélioration HSW. On a une voiture qui est très 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 maîtrisable avec les custom de base, qui se retrouve du coup troisième évidemment, hein. On est juste au-dessus de l'ancienne, de la deux classes Vigero ZX normale. Alors pour moi c'est pareil, c'est exactement les mêmes. On a les mêmes performances, on voit que Rockstar a mis exactement les mêmes performances sur les deux voitures. Vous voyez que c'est vraiment des écarts minimes et comme je vous l'ai toujours dit, quand ça se joue à quelques centièmes comme ça, c'est exactement pour moi les mêmes performances. On passe au tableau HSW et là, évidemment, comme je vous ai dit sur le circuit, la voiture est indomptable, enfin, ou alors difficilement domptable. Du coup, évidemment, on n'est pas dans le top 10 des HSW. On se retrouve logiquement juste à côté de la Vigero ZX. La Vigero ZX Cabriolet, voilà, qui se retrouve 13e juste derrière. On aurait pu être devant, mais c'est pareil. Hein. Vous voyez, le temps, comme je vous disais juste avant, c'est pareil. Une voiture qui est vraiment très, très, très difficile à maîtriser en HSW. C'est dommage parce qu'on a une très grosse VMAX. Mais voilà, elle est tout le temps en dérive, tellement de puissance sur les roues arrière. Que on se retrouve un peu dans le bas du classement des HSW, puisqu'il y a 21 HSW maintenant, donc on se retrouve 13e. Et maintenant, le tableau qui prend en compte toutes les catégories, enfin toutes les améliorations, c'est-à-dire HSW et non HSW. Alors évidemment, là, les premières, ce sont celles qui ont l'amélioration, hein. Donc on se retrouve encore logiquement à côté de la Vigero ZX, on est deuxième, mais on va dire qu'on est premier ex aequo de la catégorie grosse cylindrée et pareil pour la VMAX. Donc voilà, une très 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 bonne voiture dans la catégorie HSW puisque c'est tout simplement la meilleure, la première. Donc après, à vous de choisir si vous préférez la version cabriolet ou pas, mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est que niveau performance, ce sont exactement les mêmes, à savoir que la cabriolet coûte plus cher et l'amélioration HSW coûte aussi plus cher. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour la prochaine. À plus, ciao ciao.